Paris, 1935. Le Moulin Rouge. Certes, nous avions vu un poussin tueur en Égypte, le Kama Sutra en Inde, une tribu qui loue ses services aux agences de voyage, la tribu des grands amis, faite de pygmées cannibales, mais là, c'était des femmes, belles, aux longues jambes fuselées qui semblaient lasses d'attendre que des mains viennent s'y perdre langoureusement, des corps qui se mouvaient dans l'air comme des plumes portées par une brise légère, des silhouettes à qui on avait envie de hurler « Arrêtez !» Restez comme ça, c'est beau, juste beau là. Le reste, on s'en fout. La danse, on s'en fout. Vous êtes juste belle. Le reste, rien à foutre pour le moment. Laissez juste nos yeux se perdre sur vous. Il n'y a jamais eu plus belle noyade. Dites-moi, elle en met du temps, le rat, aux toilettes. Le professeur Artemiski, ce bon gros vieux bonhomme qui m'avait poussé à l'accompagner à la recherche de deux pierres précieuses cachées on ne savait où dans le monde. C'était à lui que je devais ce spectacle. C'est lui qui m'avait amené ici, à Paris, au Moulin Rouge. Bougez pas, professeur, je vais voir ce qu'il retient. Peut-être une colique. Elle avait l'air barbouillée. Non, ça c'était le maquillage, monsieur Nividivici, juste le maquillage. Je me suis levé et j'ai entamé le long et difficile parcours du combattant pour rejoindre les toilettes. Passer entre les tables bondées, éviter les serveurs fous qui, bien qu'ils aient l'habitude, ne pouvaient s'empêcher de jeter un regard sur les danseuses. Je suis enfin arrivé devant la porte des toilettes pour dames, le sanctuaire. Et bien qu'il m'ait souvent été donné d'essayer d'y pénétrer à la St. James High School, à Londres, j'avais toujours su garder en moi cette retenue qui pouvait me donner de faux airs de gentleman. J'ai frappé deux fois. Laura ? Laura, désolé de vous déranger, c'est Buxley. Bon, Laura, on va pas se faire la guerre tout le temps, non ? Allez, sortez, le professeur s'inquiète. Les deux professeurs, d'ailleurs, s'inquiètent. Ah, c'est votre ami l'étudiant, ma chère Laura, Laura pas. Ouais, c'est bien comme ça que je m'appelle, baronne. Maintenant, laissez-moi sortir. Vous avez peur de moi? Parce que je devrais me sentir en confiance avec la femme qui a essayé d'assassiner froidement le professeur Key? Je n'ai pas essayé de l'assassiner. 999, c'est le général Claude von Klotz qui s'est donné la peine de le faire. Mais il n'a pas réussi. Yeah. C'est un ingabable quelquefois. Mais contrairement aux Français, il n'a pas une petite bite. Je vous demande pardon. Ah, laissez tomber. Ça n'est pas grave. Pourquoi vous sortez ce revolver de votre sac, là? Je suis pas armée, hein. Vous avez rien à craindre de moi. Vous allez passer devant moi. Et vous allez me suivre. Et comment vous voulez que je passe devant vous et que je vous suive? Pardon? Si je passe devant vous, je peux pas vous suivre. Et si je vous suis, je peux pas passer devant vous. Ah, c'est frais. Bonnie de chienne! On ne rebranle pas la baronne von Schmoll. Apprenez à me respecter! Scheiße! Je ne suis pas une petite butte! Allez, passez de fin! Schnell! Schnell! Bon, alors, évidemment, dès que j'ai entendu Buddy de beat, Buddy de chienne et Buddy de butte, j'aurais dû me douter qu'il y avait du nazi là-dessous. Mais évidemment, je ne suis qu'un petit branleur, vous l'avez tous compris, et je n'ai pas pensé un seul instant que juste derrière la porte contre laquelle j'avais posé mon épaule droite, Laura ait pu être en danger un seul instant. En attendant, je parcourais la grande salle du Moulin Rouge, observant les clients, des bourgeois parisiens ou touristes typiquement new-yorkais qui portaient leurs cigares aux lèvres comme des soldats lèvent leur drapeau national, avec suffisance. Et puis, à une table, sobre comme deux alcooliques en plein sevrage, il y avait cet empaffé d'Hakim Wilde et l'autre coincé de Herr Général Klaus Glott von Glott. Et là, évidemment, j'ai beau être lent, branleur et tout ce que vous voudrez comme autre terme, j'ai finalement fait le rapprochement. Mais c'était déjà trop tard. Laura venait de pousser la porte, testant mon équilibre au passage. Hé, Laura, qu'est-ce que vous faisiez? Ça fait un... Bex. Oh. Bonsoir, cher monsieur Buxley. La baronne. Comme c'est un plaisir de vous revoir une seconde fois, je pensais que vous étiez morte, hein. Et comment aurais-je pu mourir? De honte. Buxley, ça me rappelle les souvenirs. Pardon, Laura, je... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous faites quoi, là, la queue leu-leu avec Laura? Elle a un revolver, Bux. Ein Luger. C'est un Luger de fabrication allemande. On ne trouve pas mieux sur le marché. Ah si, des trucs pour bouffer, c'est généralement ce que j'achète au marché. Ça suffit.
Écartez-vous, monsieur Bugsley, que je base. Sinon, je la tue. Bex. Je me suis écarté, et la baronne tenant toujours Laura devant elle, son revolver soigneusement plaqué contre le dos de ma... Oui, disons-le, dulcinée. La baronne partit vers la scène et disparut par une porte dérobée. Aussitôt, j'ai pris mes jambes à mon cou. En fait, non, parce que sinon, je serais tombé. Je me suis juste mis à courir. Juste au moment où je m'apprêtais à passer la porte, la baronne et Laura se retrouvaient sur la scène au milieu des danseuses. Et là, sur le coup, j'avoue que je n'ai pas su quoi faire. Ah ! Je me suis trompée de route ! Ah, vous voilà bien maintenant, vous êtes relativement discrète. Eh, hey, mais qui c'est celle-là ? Allez, s'habiller ! Putain, scandale ! Dansez, mademoiselle ! Peut-être que nous passerons inaperçus. Dansez ! Schnell ! Mais je sais pas danser ! Faites comme moi ! Rachetez les champs ! Elles parcoururent la scène avant même que le public n'ait eu le temps de passer des réprimandes ou sifflements. Avant de passer par la porte pour essayer de les rattraper, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans la salle. Le public s'était calmé et le spectacle reprenait. Mais Hakim Wilde et le général n'étaient plus nulle part. J'ai ouvert la porte et j'ai continué à courir. Laura allait pas me filer entre les doigts comme ça.